Il a retiré du mur de sa chambre de puceau une photo des 12 apôtres. Il les a remplacés illico presto par un cadre d'une star porno. Même ses cardinaux qui le connaissent bien trouvent qu'il devient vraiment malsain. Le pape Benoît XVI, c'est sûr, il débloque, il autorise la capote. Il sort tous les samedis pour mater des fesses. Le dimanche donne plus la messe. Les fidèles attendent leur souverain pontife. Il désaggrave des soutifs. Avant il disait qu'il fallait se marier pour de la sexualité. Il a changé d'avis. Le pape il débloque, il autorise la capote. Il fume le cigare en buvant sa bière. Il a pour pote Guy Gilbert. Il écoute les Doors toute la journée. Il ne veut même plus prier. Et au Vatican, ils ont même pensé qu'on devait l'exorciser. Le pape Benoît XVI, c'est sûr, il débloque. Il autorise même le rock. Il devenait grincheux et fort irrité quand la Gay Pride arrivait. Il a bien changé, on l'a retrouvé sur un char au Colisée. Il se déchaînait sur du George Michael et sur du Village People. Le pape Benoît XVI, c'est sûr, il débloque, il a lancé des capotes. Mais faut se réveiller, cette petite chanson, c'était juste une fiction. Sûr qu'un pape comme ça, ouais, ça serait canon, ça ferait naître des vocations. Quand j'écoute Benoît, qui ne tolère rien, je comprends qu'on devienne païen. On va lui donner quand même une bonne note, il autorise la capote.